Et vous là, ne bougez plus. Putain, mais pourquoi j'ai aussi peur? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis paralysée! J'utilise mon pouvoir. Mais dis donc, j'ai pêché un gros poisson. Tu serais pas la fille de Dustrine? Mais non! Mais il me connaît! Je peux pas les utiliser devant lui! N'ayez crainte, madame! Rainman est là! Oh, il est comme moi! Je ressens des frissons! Non, mais je rêve! Tu t'es cru dans un film ou quoi? Et non! Je suis bien le super-héros qui va te botter le derrière! Mais oui, et là tu vas me dire que t'as des super-pouvoirs! Oui, je suis Rainman, l'homme qui fait pleuvoir la pluie sur commande! Tu ne me crois pas? Alors regarde! Rainstorm! Ouais, désolé, je me suis déjà douché ce matin. Mais son pouvoir, il est claqué au sol! Oui, bah là, forcément, ça sert à rien. Je suis bien obligé de t'avouer que t'as des pouvoirs, par contre. Il a le dos tourné. Je pourrais peut-être pouvoir utiliser mes pouvoirs. Oh mon Dieu! Tu l'as tué? Non, je crois pas. Cours, mec! Fuis! Hein, casse-toi! Mais pourquoi? Une fille a tué un mec! Putain, mais... Monsieur Dustrine. Lieutenant Taylor, un plaisir de vous voir ici. Quel bon vent vous amène? Je suis venu chercher la moindre petite erreur pour me mettre en prison, car vous débordez de jalousie à mon égard. Ouais, exactement. Je suis venu car un de tes mineurs est mort, et l'autre a disparu. Et va pas me faire croire que tu n'es pas au courant de ça. Je l'ignorais. Bref. J'ai pas encore de preuves, mais je suis sûr que t'es dans une belle merde. Une seconde, lieutenant, s'il vous plaît. Monsieur Dustrine, on a un problème. On vient de trouver une galerie à moitié finie et une forte odeur s'en dégage. Suite à cela, un de mes camarades s'est mis à tousser et s'évanouit. Du coup, je viens mettre la zone en quarantaine. Il me faudrait une équipe de médecins. Je me situe entre la galerie 34 et le centre 2. Bien, je vous envoie une équipe de secours. Tenez bon! Lieutenant, je pense que nous venons de trouver comment est mort l'un des mineurs. Ouais. Tu es peut-être invisible, mais on peut t'entendre. Je me cachais pas. Il nous faut un plan. Tu penses à quoi, là? On a des super pouvoirs, Alex. T'imagines tout ce qu'on pourrait faire? Tu vas me dire que tu veux braquer une banque? J'en sais rien, mais on a eu cette chance et on continue à travailler dans un coffee shop. On braque juste une banque et on part sur une île déserte. Et hop, la belle vie, loin de Mirabel. Tu délires encore, Juliette. J'étais pas trop pour le fait d'essayer de kidnapper le gars habillé en noir, et là tu me parles de braquage. Ah, tu me saoules! Imagine! Non, Juliette, je ne veux rien imaginer. L'imagination est le dernier refuge des gens sans logique. Je rentre chez moi. On se voit demain. Ouais, casse-toi! Avec tes citations claquées. Pourquoi je suis énervée en permanence? Ça me brûle de l'intérieur. Alors? Ce bougre se paye ma tête! J'en suis sûr. Pourquoi? Je suis allé le voir, hein. Et je lui demande pourquoi il y a deux mineurs victimes, et là, hop! Comme par magie, il reçoit un appel qui lui dit que c'est un accident de travail. Mon cul, oui! Calmez-vous, monsieur. Non! Le problème, c'est que c'est bien un accident, monsieur. J'ai fait des prélèvements sur le corps du mineur retrouvé mort, et ce serait un champignon qui l'aurait tué. Pardon? Oui, en effet, ce serait un champignon inconnu. Du jamais vu. En tout cas, je n'ai rien trouvé sur Internet. Mais le plus étrange n'est pas là. Ce champignon provoque des effets secondaires. Super! Oui, c'est un dopant. Il améliore plein de sens, comme la vue, la force, les réflexes et autres. C'est une révolution dans la science.
Le seul problème, c'est que ça a aussi des effets négatifs, comme une mauvaise gestion de la colère et du stress, mais aussi, à forte dose, la mort de l'individu. Donc ils sont morts à cause de champignons super rares et dopants. Ouais. Continuez comme ça. Si, putain, t'as tué un gars et moi j'ai failli mourir, et toi t'as des pouvoirs, donc si, je panique. Il est pas mort, il respirait quand je suis partie, et tu m'as fait peur. Mais c'est toi qui fais peur. Bon, écoute, je suis pas méchante, on a tous les deux eu peur, et on est tous les deux perdus et effrayés par ce qui se passe. Ouais, t'as raison, je suis complètement perdu et effrayé. Moi c'est Camille, et toi? Belle amie. Ça te dit, on va dans un endroit plus sûr? Ouais, avec plaisir. Et je te présente mon QG. Ok, c'est très fille. Ouais, bon, je sais, je dois refaire la déco, mais ça va encore. Ouais, bon, toi, c'est quoi ton truc? Mon pouvoir? Ben, je sais pas, je pense que c'est une sorte de téléportation, mais je comprends pas trop encore, je maîtrise rien. Ah! En fait, quand je stresse ou quand je dors, ben, je me réveille dans des endroits un peu spéciaux. Oui, oui, une copine, Natacha, t'as vu à poil sur un toit. Oui, c'était gênant. Vas-y, téléporte-toi. Mais je sais pas comment faire. Ok. Boum ah. Bon bah voilà. T'as des habits? Oh putain, mais je suis t'as désolé, encore mais je contrôle pas ça. Pervers. Eh, ça va gros? Essaye pas trop de parler. Les infirmières ont dit de faire attention. Bellamy t'a foutu KO. Il t'a mis un point et paf, t'es tombé au sol. Red. Je m'en souviens. Parle pas trop, c'est pas bien. Les infirmières... Rapproche-toi. Écoute-moi bien, je m'en fous. Ce putain de gothique me foutu là. Jeune homme, arrête de parler, tu vas faire mal. Je t'avais prévenu,